Salut à vous tous, on est samedi le 21 novembre. Aujourd'hui, c'est ma dernière journée à Mascouche. Et oui, on est rendu là. J'ai pas refilmé parce que dans le fond, c'est ça, ça a été des boîtes et des boîtes et des boîtes à faire. Puis j'ai fait comme 3-4 voyages là, dans les dernières semaines. Puis c'est ça. Je suis très nostalgique de repartir à Verdun. Il y a d'autres nouvelles affaires qui m'attendent, ça je suis certaine. J'ai quand même eu deux rencontres là, cette semaine. Puis la fin de, ben, une cette semaine, puis une la fin de semaine passée. Puis il y en a un que je parle encore, mais il y en a un autre que je l'ai vu une fois, puis ça s'est arrêté là. C'est lui qui a arrêté ça hier. Celui que je parle encore, ben c'est sûr qu'il est intéressant, mais je sais pas, j'ai comme un petit mais là. Fait que, en tout cas, on verra bien. Anyway, ça fait pas. Ça fait pas. Genre 10 ans là, que je suis plus. Je suis toute seule. Mais en même temps, tu sais, j'ai comme le goût de passer à autre chose, de me changer les idées, je sais pas, moi, ouais, c'est ça. De partir une nouvelle page, tu sais, un nouveau livre, là. Fait que c'est ça. Puis. Ouais, fait que demain matin, je pars, je m'en vais à Verdun. Je suis tellement comme. Autant que je suis énervée, autant je suis triste de partir de là parce que, tu sais, c'était comme une genre de vie un peu de rêve, tu sais, de banlieue, puis une cour, puis un spot de feu. Genre, tu sais, c'était comme. C'était le fun, tu sais, à cette place-là. Mais bon, hein? C'est ça, c'est la vie qui me dit non, t'as plus besoin de t'en aller là, tu t'en vas dans une autre direction, tu t'en vas plus par là. Puis ben, je suis contente. La seule affaire, ce qui m'écœure vraiment beaucoup, c'est que je reviens vraiment dans le gros trafic de Montréal, là. Tu sais, en général, de Mascouche à ma job, ça me prenait à peu près ça une demi-heure. Puis ça va me prendre à peu près ça aussi une demi-heure. Fait que je suis comme un peu déçue parce que. Ça va me prendre à peu près le même temps quand que je partais de Montréal pour m'en aller à Mascouche, puis quand que là je vais partir de Montréal à Montréal, ça va me prendre à peu près ça aussi une demi-heure. Fait que, parce que quand c'est supposé être genre 20 ou 19 minutes ou 21 minutes, là, tu sais, me rendre de ma job à où est-ce que je vais habiter. Fait qu'en tout cas, ça pour dire que oui, je suis comme nostalgique, mais j'ai comme hâte à mon nouveau destin, finalement, de vie, là, qu'est-ce qui m'attend, je sais pas trop, mais c'est ça, je suis comme excitée de tout ça quand même. Puis, c'est ça, je suis énervée, je suis contente, là, de ce qui se passe, tu sais, même si c'est pas des affaires super le fun non plus. Mais bon, fait que c'est ça, fait que je voulais comme partir un vlog parce que dans le fond, on va dire bye bye à Mascouche, puis on va dire bonjour à Verdun. À Montréal, là. Fait que je suis comme. Moi, je suis comme, tu sais, je suis triste, mais nostalgique, puis en même temps, contente de ce qui se passe, mais en même temps, triste de certaines affaires, là. Fait que, tu sais, c'est ça, je suis. Excusez, là, il y avait comme plein de monde qui se promenait, qui passait devant moi, mais c'est ça. C'est ça. Là, je vais avoir toute une grosse job à faire, tout défaire mes affaires, voir s'il y a des affaires que je veux plus pour Danny. Puis, c'est ça. Fait que. Il va falloir que je fasse ma teinture aussi, là. Je commence à être vraiment due, mais tu sais, vu que c'est demain que je déménage, c'est comme pas le temps de faire ça, là. Fait que c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Puis, je suis comme. J'ai plein de sortes d'émotions, là. C'est normal, tu sais. Ok, mais j'ai hâte à ma nouvelle vie, à recommencer à nouveau, puis j'espère que il y a du très bon qui s'en vient bientôt là. Fait que c'est ça. On se voit plus tard ou demain. C'est le jour J, on est samedi, on est dimanche. C'est ma journée de déménagement.
Ouais, le stress, j'ai mal à la tête, je suis comme jamais dans le coup. C'est normal. Nouvelle vie qui commence, nouvelle. C'est ça, nouveau départ, hein? Fait que c'est ça. Fait que là, il reste à ramasser ça ici. Parce que j'ai plus de bois. Fait qu'il va aller en chercher tantôt en allant chercher le truck. Puis c'est ça, j'ai des affaires ici, là, ça a puis j'ai ce petit truc-là à vider aussi. Puis dans la cuisine, c'est pas mal fini aussi. Fait que c'est ça. Ouais. Come back home in Montreal. Fait que go, go, go. Puis je filmerai pas aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps, là. Mais ouais, mes derniers instants dans. Ici, à Mascouche. Voilà. Bon, fait que là, on vient de remplir mon auto. Mon ami est parti chercher le camion. Puis il s'en revient après. Il va aller chercher des boîtes aussi en même temps. Parce que des affaires que là, j'ai comme plus de place. Puis il me faut des boîtes encore, là, comme vous pouvez voir. Ah, c'est ça. Fait que je voulais vous montrer pour la dernière fois la cour. Ouais. J'aurais pu ça comme vue chaque matin. Eh boy, un matin, tu aurais dû. Ouais, c'est ça. C'est la vie, hein. C'est juste bien, bien plate. Puis je suis juste bien déçue, mais c'est une nouvelle vie qui commence. Puis c'est ça. Fait que. What's next? I don't know. Je sais pas pantoute. J'espère juste que c'est du bon qui s'en vienne pour moi. Nouvelle vie qui commence, nouveau train de vie, nouvelle routine, tout ça, là. Fait que, ouais, je suis comme excitée, là. Mais en même temps, très nostalgique de partir d'ici, mais bon. Pas le choix, hein? Fait que, on se revoit, plus tard. Fin! Bye bye! Oh, je vais tellement m'ennuyer. Oh my god! Salut à vous tous, on est lundi le 23 novembre. Aujourd'hui, ben, c'est mon retour à Verdun pour de bon. Hier, c'était ça qu'on faisait, on déménageait. Hey, j'ai tellement des allergies en ce moment là. J'ai le nez qui me pique, qui me démange. C'est fou débile mental. Fait que c'est ça. Fait que hier, j'ai retourné hier soir, ben, hier fin d'après-midi. À Mascouche parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mis mes sous-vêtements. Hein? Très important, hein? Fait qu'il fallait que j'aille chercher ça. Puis parce que dans le fond, il était dans un bureau à lui. Fait que où est-ce que je dormais, tout ça. Fait que c'était tous ses meubles à lui. Puis ça faisait en sorte que c'est ça. J'avais comme pas de sous-vêtements. Je pense que j'avais une ou deux paires de bobettes avec moi, puis c'est tout. J'ai dit, bon, ben, tant qu'à faire, à courir après les bobettes, on va vite aller chercher ça. J'ai été chercher ça. J'ai ramené aussi des affaires qui me restaient, dont la machine à café puis ces affaires-là. Puis là, il m'en reste une petite affaire encore, mais le plus gros est vraiment rendu. Là, il me reste vraiment pas grand-chose. Fait que là, après ça, ça va être de démêler tout ça. Ça va être de. Ça va être de. C'est ça, de tout placer, de checker est-ce que je garde, est-ce que je garde pas. Parce que vu que c'est un appartement où est-ce que j'ai déjà habité avec ma mère puis ma grand-mère, parce que c'est un duplex familial, il y a comme du stock à ma grand-mère qui reste là tout le temps. Il y a du stock à ma mère qu'elle veut plus mais qu'elle laisse là. Fait que là, ça fait déjà comme full d'affaires, tu sais. Comme s'il y avait comme trois personnes qui arrivaient avec leur plat de plastique, avec leur ustensile de cuisson et tout ça. Fait que c'est comme si j'avais pas de place pour mes affaires à moi. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça. C'est comme un peu le bordel. Puis j'étais un peu découragée. Là, j'ai tellement de stock. Là, my god, c'est là qu'on se rend compte. Puis tu sais, genre, plus qu'on est grand, plus qu'on ramasse, là, t'sais, plus qu'on garde des affaires et tout ça. Fait que ça va être de faire un gros clean-up là-dedans. Je suis due aussi pour du linge, là.
faire du ménage là-dedans. Fait que je vais avoir en masse le temps de faire ça. C'est l'hiver, fait que je vais avoir en masse le temps de tout faire ça. Puis je m'ennuierai pas cet hiver au moins. Fait que là, direction commission, parce que là, j'ai presque rien dans mon frigo, bien sûr. Ce matin, j'ai mangé des toasts au beurre avec avec une coupe. Ben, j'avais du fromage, fait qu'au moins, j'ai pu manger des petits bouts de fromage. Là. Fait que c'est ça, fait que... c'est ça, c'est le retour à Verdun, la salle, pis tout ça. Ouais, c'est spécial. C'est vraiment spécial de pas avoir dormi là-bas hier soir, de m'être réveillée toute seule dans un appart. Ça va venir là, que je vais m'habituer puis tout ça, mais pour l'instant, je trouve ça un peu difficile et spécial. C'est normal, hein, c'est l'habitude. Ça faisait quand même 2 ans et demi que j'habitais là-bas. Puis c'est ça. Fait que je m'en vais faire des commissions. Je m'en vais faire des commissions pour mes tantes puis ma grand-mère. Puis ça ressemble à ça. Fait que. Puis ça va être à défaire encore des boîtes, des trucs, mes sacs, tout ça là, que j'avais fait hier. Que j'ai amené hier. Fait que. Ça va ressembler à ça ma journée. Fait que je sais pas si je vais refilmer dans ma journée. J'ai mon amie Mélanie aussi qui est supposée de venir peut-être m'aider à faire un petit peu de ça. Parce qu'il faut qu'elle vienne chercher ses enfants. Ses enfants sont chez son ex, le père des enfants. Puis le père des enfants, mais il habite Verdun. Fait qu'elle va venir m'aider à faire d'arranger un peu ça là. Fait que c'est ça. Fait que je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Puis on se revoit plus tard. Puis demain, ben, je travaille toute la journée. Fait que c'est sûr que je filmerai sûrement pas demain. Je sais pas si je vais terminer mon vlog ce soir ou mercredi. On verra. Fait que on se voit plus tard. Salut à vous tous. On est mardi matin. Le 24 aujourd'hui. Exactement! C'est le 24 novembre. Il fait vraiment frette à matin, sérieux. J'ai comme un manteau d'hiver, là. Puis j'aurais dû me mettre un plus gros foulard que ce que j'ai, là. Ça sera à trouver dans mes boîtes. Aïe, aïe, aïe. Ouais, grosse affaire. Mais je suis vraiment contente. Tu sais, je vais m'installer. Tu sais, je m'installe tranquillement. Là, j'ai une amie qui serait supposée venir m'aider demain aussi. Demain, j'ai un rendez-vous aussi chez le gynécologue pour un pap test que t'es pas capable de faire les dernières fois. À cause de mes problèmes de saignement. Fait que quand tu saignes ou quand t'as des règles, ben ça marche pas. Ça fausse la donnée du résultat. Fait que c'est ça. Fait que... finalement, ben, c'est ça, hein? C'est comme, on n'y peut rien, puis faut aller faire ça, même si c'est pas des affaires qu'on aime vraiment se faire faire, mais bon, c'est juste parce que moi, ça fait comme ma troisième fois en 3 mois, à peu près. Une en septembre, une en octobre, puis une en novembre, tu sais, parce que ça marche pas, puis ils sont capables d'avoir un résultat correct. Ben, ils sont capables d'avoir des résultats tout court, tout simplement. Fait que c'est ça, puis là, je l'avais comme oublié, ce rendez-vous-là, là, j'étais comme, moi, dans ma tête, demain, je sortais pas, puis je clenchais les boîtes, puis les sacs, là, mais... ça a l'air que non, ça a l'air que j'ai un rendez-vous chez le gynécologue demain à 1h40. Fait que là, c'est ma première fois que je pars de chez ma nouvelle appartement pour m'en aller à ma job. Fait que là, il est 10h47, je suis partie à 10h43. Puis
Puis j'ai hâte de voir le temps que ça va me prendre, là. Je sais que Montréal à Montréal, des fois, c'est de la crise de merde. On verra. C'est du renouveau, puis on n'y peut rien. C'est le même, puis c'est tout. Fait que c'est ça. Fait que je suis tellement dans la poussière, là. Je me réveille le matin, là. J'ai genre le nez, genre à moitié bloqué, puis genre je coule du nez. C'est débile mental, j'arrête pas d'éternuer. Fait que j'ai hâte de faire du ménage là-dedans. Là. Il aurait fallu que j'en fasse avant d'amener mes affaires, mais là, il est comme un petit peu trop tard. Fait que c'est ça. Mais je pense que je vais passer la balayeuse, genre, demain, là, avant d'aller à mon rendez-vous. Juste comme pour enlever le plus gros, là. Surtout sur le pastis, j'ai comme du tapis à grandeur de mon passage, puis dans le salon aussi. Le salon, c'est sûr que je pourrais pas venir bien avec les boîtes, mais au moins faire toute l'entrée, puis tout le corridor, là, ça va comme aider un peu là, à m'enlever un peu de poussière, parce que tabarouette, je me couche, là, même quand je me mouche là, le matin, là, c'est noir mon affaire. Là. Fait que, ouais, c'est ça, c'est comme. Je suis sûre que c'est pas très bon pour mes poumons et tout ça, là, mais bon, hein. Fait que c'est ça, c'est mon premier. Ma première fois que je pars de Montréal à Montréal. Ben, je l'ai déjà faite, là, mais. Ça faisait comme un petit bout, hein, que j'étais pas à Montréal. Fait que c'est ça. Fait que retourne à la source et retourne. Avec mes anciennes habitudes. Non, c'est pas vrai. Non, je vais essayer de pas avoir la même routine que j'avais, de changer un peu pour justement pas retomber dans le avant aussi là. Parce que c'est sûr que j'aimerais pas ça, puis je vais pas je vais avoir trop de souvenirs, trop de comeback là, tu sais, qui va me revenir, puis je veux pas ça non plus. Fait que c'est ça, fait que je voulais juste vous faire un petit coucou aujourd'hui. Bon, il y en a un qui n'est pas capable de suivre sa ligne. C'est difficile de suivre sa ligne, tu sais, quand on conduit, là. C'est vraiment difficile. Fait que c'est ça, fait que je m'en vais travailler toute la journée aujourd'hui. Puis, j'ai vraiment le nez qui me démange encore. En tout cas, fait que c'est ça, puis. J'ai hâte de voir là, ma première quand je vais arriver, là, combien de temps que ça va m'avoir pris puis tout ça. Là. Fait que, je vous en donnerai des nouvelles, puis je vais sûrement terminer mon vlog demain aussi là, parce que c'est depuis vendredi ou samedi là, que je filme. Fait que. Hein? Ça suffit à un moment donné, là! T'sais? Si je veux en recommencer un autre, puis si je veux. Montrer comment j'ai placé ça pis tout là. Fait que éventuellement là ça s'en vient là. La cuisine est pas mal pleine, mais je vais refaire du ménage aussi parce que là ça a pas d'allure. Vu que c'est un appartement où est-ce que ma grand-mère elle a toutes ses affaires, puis il y a des affaires encore à ma mère que elle, je sais pas si c'est parce qu'elle veut plus ou c'est parce qu'elle a plus de place, mais ils ont toutes comme laissé ça dans cet appartement là. Fait que finalement il y a full d'affaires. Fait que moi, j'arrive dans un appart qui est pas vide, finalement. Fait que c'est comme super dur. Parce que là, j'essaie de placer mes affaires, mais il y a pas de place. Fait que là, en plus de vouloir sortir mes affaires, puis de déballer mes boîtes, puis tout ça, ben, il faut que je fasse du ménage pour placer mon stock, parce qu'il y a déjà, du stock dans les armoires, tu sais. Fait que là, j'ai comme averti ma mère puis ma grand-mère hier. Je dis là, je vais vous faire une ou deux boîtes chaque, là, avec des affaires, parce que moi, j'utiliserai pas. Parce que là, sérieusement, là, je manque de place, là. Tu sais, c'est un appartement, là, c'est pas une maison, là. Puis déjà, je trouve que dans cet appartement-là, j'ai déjà des armoires comme normalement, dans un appartement normal. Mais en plus, on a un genre de grand garde-manger que c'est comme un petit walk-in, si je peux dire, là. Fait que, tu sais, on a des tablettes, puis on a comme un autre truc qu'on a comme des panneaux qui s'ouvrent, là. Puis, il y a comme des tablettes là-dedans aussi. Fait que ça fait encore plus d'affaires, genre, que tu peux mettre. Mais là, c'est plein. Ben, pas que c'est plein, mais tu sais, il y a déjà plein d'affaires. Fait que là, j'essaie de mettre mes chaudrons. J'essaie de mettre. Puis des chaudrons, j'en ai comme deux, trois, là. J'ai pas.
50 millions d'affaires, là, tu sais. Heureusement. Puis là, ben, tu sais, comme toute ma coutellerie, j'aurais pas besoin parce que tout est déjà là, tu sais. Fait que je vais pas sortir les mains. En plus, il y aura plus de place, ça va déborder pour rien, tu sais. Fait que. Fait que c'est ça. Fait que. C'est un peu le bordel à cause de ça, là. Je suis comme un peu. Je suis comme épuisée, mais je suis comme découragée parce que. Ouf, il y a bien trop de stock, là, ça n'a pas d'allure. Moi, j'ai du stock, mais eux autres, il y en avait déjà pas mal aussi. Fait que c'est comme si deux personnes vivaient là, puis moi, j'arrivais avec mon stock en plus, hein. Vous pouvez imaginer comment ce que c'est, comment qu'il y a du stock, puis comment que j'essaie d'avoir de la place, puis j'en ai pas de place, là, tu sais. Fait que ça ressemble à ça, fait que on va se revoir sûrement demain pour terminer mon vlog. Bye, bonne journée! Finalement, j'ai pas fini mon vlog encore, fait que je vais le finir là. On est vendredi le 27 novembre aujourd'hui. On est en train de terminer le mois de novembre déjà. Ça fait comme 5 semaines que, ouais, que c'est terminé, là. Puis, c'est ça, ça fait déjà bientôt une semaine que je suis déjà déménagée. C'est fou, pareil, comment le temps passe vite. Moi, je capote vraiment. Hier, je filais vraiment pas super bien. Aujourd'hui, je file comme moyennement so-so, je dirais. Puis, ouais, c'est ça, là. Je suis pas à mon meilleur, là, mais c'est sûr qu'il y a des ups et il y a des downs. Il faut que je me réhabitue. T'sais, comme là, il est même pas 10h. Puis j'étais arrivée comme à 10h moins 5. Là, il est presque 10h. Puis c'est ça. Mais dans le fond, c'est parce que ça me prend à peu près. Autant que ça me prenait de Mascouche à Hunsic, ça me prenait genre 25 minutes. Gros top 30 minutes. Quand il y avait du trafic, 30, 35, 40, gros max. Mais là, juste avec le trafic normal, Verdun-Hunsic, c'est genre 40 minutes que ça me prend. Fait que je suis comme vraiment découragée. Parce que je me dis, cibole, je peux pas croire que c'est comme Montréal à Montréal, ça prend plus de temps que Mascouche-Montréal, tu sais. Genre, personne pourrait penser ça. Anyway, hein? C'est là que je suis rendue, fait qu'il va falloir que je me réhabitue. Éventuellement, on checkera peut-être pour redéménager ou pour me trouver un autre job, qui sait. Puis, je sais qu'elle est à Laval, genre peut-être même me prendrait moins de temps, là, en tout cas. Fait que c'est ça, fait que. Ouais, première semaine. Qui était long, là, qui était. Ben, long. Oui, parce que je suis rendue toute seule, là. Fait que, tu sais, en habitant toute seule, c'est sûr que c'est toujours plus long. Mais aussi, parce que c'est ça, là, tu sais. Quand t'étais petite, d'avoir une certaine routine, puis là, whoop, tu changes. Faut que tu changes ta routine, puis il faut que tu changes ton minding, puis il faut que tu changes tes affaires, tu sais. C'est toujours un peu weird, là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'était pour vous montrer un peu mon déménagement. Puis éventuellement, là, quand ça va être moins bordel, puis tout, là, je vous remontrerai ça. Là. Vous l'avez sûrement vu là, si vous êtes des anciens. Où est-ce que j'habitais? C'est exactement dans le même logement que je suis, là, parce que c'est un logement familial. Mais c'est ça. Fait qu'éventuellement, je vous ferai un genre de petit tour d'appartement. Quand je serai placée puis que ça sera cute. Là, en ce moment, c'est juste le bordel puis c'est juste plein de boîtes, là. Fait que ça vaut zéro le coup de vous filmer ça. Fait que je vais terminer mon vlog ici. J'espère que vous allez avoir aimé. Ça va avoir été beaucoup du blabla, surtout. Mais c'était pour vous mettre au courant puis pour moi me donner des souvenirs aussi. Parce que, veux pas, c'était quand même quelque chose le fun puis c'était du bon temps que j'ai eu là, à cette place-là. Fait que c'est ça. Fait qu'on va se revoir dans une autre vidéo. Puis j'espère que vous allez avoir aimé. Likez la vidéo. Partagez.
Commentez si vous avez des choses à me dire aussi. Puis j'espère vous voir très bientôt. Ciao!